Ah là là, oh, je viens de regarder, il y a le drapeau français et la au milieu il y a le signe de la résistance. Wesh! Ah, j'ai mal le détail. Là, on l'a pas. Ah, c'est incroyable. Août 1944. Ça y est, on y est. Nous allons libérer Paris. La deuxième blindée française et la quatrième d'infanterie américaine arrivent à l'aube. Cela veut dire qu'on va bouger ce soir. Est-ce qu'on joue en commando? Je réfléchis. Est-ce qu'on joue en commando? Ah bah ouais, parce que ça va être compliqué. Parce que si on joue pas en commando, ça va être compliqué pour l'infiltration quand on doit faire sauter les portes. Vas-y, tant pis, on va essayer. Après, si on n'arrive pas, on changera. Ça fait une semaine qu'on a démoli ce camp. On est au beau milieu de Paris et on travaille avec la résistance. Rousseau et Crollet vont saboter les structures de l'occupant. Ce qui veut dire frapper les lignes avec leur cœur. Ah, ce document qu'on a trouvé. Rousseau et moi, nous allons nous faire passer par les résistants. Paris, c'est le feu. Cette caserne est dirigée par le SS et le policier Heinrich. Il n'a pas pris le capturé. Il a pris mes parents, puis mon mari, et enfin, mon fils. Cette nuit, l'ensemble de nos pertes, l'ensemble Notre-Dame, qu'est-ce qu'elle est belle. Cette nuit, nous reprenons la vie. C'est Notre-Dame, ça, je crois. Hein. Ouais. Notre contact sur place nous fournira les. Je préfère aller derrière. Elle est derrière le bâtiment en fait. Notre-Dame et le Tourfel sont assez blancs quand même. Ok les gars, on se prépare. Ah bah elle est là. Qu'est-ce qu'elle est belle. Les boys vont pas se casser faire comme ça. Bah Tour Eiffel. Dire que nos ancêtres voulaient la détruire. J'ai combattu à ses côtés, Alex. C'est un exemple de courage. C'est bientôt fini les amis. Mais d'abord. On n'est pas mis. C'est parti. Je suis sûr que les Américains n'ont jamais fait attention au signe de la résistance. Je suis sûr qu'ils n'ont jamais fait attention. Les Ricains là. C'est un peu con les Américains, mais bon, c'est pour ça. Cauchemar sera bientôt fini. Si on vous arrête, il faut absolument que votre histoire tienne. Revoyons ça. Vous êtes Gerda Schneider, attaché militaire. Herr Spiegel, des renseignements, vous avoir pour organiser l'évacuation de Heinrich Derwent. Prenez bien le temps. Berlin. Non, je suis pas en train de tricher, les gars, pour cette pose la question. Alors, document de voyage. Fais chier, j'ai pas pu le lire. Document de voyage. Poninzeg Einisch Erich. Vous vous en faites trop, Major. Hambourg, je viens d'Allemagne, en Hambourg. Je vous retrouve devant la garnison. Mon commandant, Franz Stick. Spiegel, Spigneg, c'est allemand. Bien. Quoi qu'il arrive, quand vous aurez fait l'échange, vous devez absolument garder la mallette en permanence. Oui. Après ce que j'ai vécu, je suis bien déterminé à aller jusqu'au bout. Putain, mais. Und bitte reichen Sie uns Ihre Tasche. Non, capiche. Parle-moi français. He's French.
bitte sehr. I am no Allemand. Je sais comment on dit ça. Was ist der Grund Ihres Besuchs? Pour le voyage. Ich wurde darüber nicht informiert. Aber Ihre Papiere scheinen in Ordnung zu sein. Sie können weiter vorne schneiden. Pour un voyage, voilà, il veut retourner à Berlin. Parce que voilà. Quel document, monsieur? Stationnement interdit devant la porte. Ça, je connais la situation française, ça. Ce bâtiment-là, je sais qu'il a... il existe vraiment, ce bâtiment. J'ai jamais pu y aller. Parce que, bah voilà, c'est un truc administratif, non, faut pas trop y aller. Ah, c'est du allemand. Verlaine. Facile à retenir. Verlaine. Jean Moulin. Ah non. Mais je vous jure qu'on va ressembler beaucoup à Jean Moulin. C'est quelque chose. Bon. Verzeihung. Ja, Frau, kann ich Ihnen helfen? Ich soll mich bei Oberst Fischer melden. Sind Sie das? Nein, Herr Fischer spielt wahrscheinlich mit den Soldaten im Keller Karten. Schönen Abend noch. Gleichfalls. Offizier allemand. Sûrement de la Gestapo. Il est au sous-sol. Sous-sol. Fermé à clé. Merci. Les toilettes. Attends son mari. Moi bon, j'ai déjà en raté quelques-uns, mais c'est pas grave. Bon, maintenant on va aller voler les clés du monsieur. Une lettre au Führer. Juste deux secondes, je vais juste un peu visiter parce que j'ai jamais visité. Niveau inverter, j'ai fini d'examiner l'armurerie au niveau 5 et je pourrais confirmer un... Oh, l'armurerie au niveau 5. On va d'abord aller au sous-sol parce qu'il faut qu'on va chercher, on va aider quelqu'un au sous-sol pour après. Oui, je prévois tout. Au cinquième étage, on va directement y aller juste après, les gars. Vous inquiétez pas. Cinquième étage, m'intéresserait d'y aller. Verschwenden Sie! Das geht Sie nichts an!
Mais qu'est-ce que... Restez cachés. La résistance sera bientôt là. Vos camarades sont déjà en chemin. Vive la résistance. Vive Charles de Gaulle. Et vive Jean Moulin. Bon, même s'il est mort, mais... Vive Jean Moulin. On lui disait souvent la résistance. Pour ceux qui connaissent pas Jean Moulin, vous êtes des abrutis de première. Bon. Je vais aller au 5e étage. Je suis de la résistance. Ta gueule, sale clair. Oh, le chien, tu fermes ta gueule, sale chien. T'es pas beau, hein. T'es pas bon, hein, gros. Oh. Hé, pour après. Alors. Voilà, au 5e. Elle dit 5e étage. Par là, sûrement le 5e étage pour l'armurerie. Autorisé. On est au rez-de-chaussée. Premier. Voilà. Fermé. Bon, là, c'est pour parler au gars. Ah, tu... on peut passer par là. Oh. Ah, il s'enfuit. D'accord. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Alors la Gestapo. Ah, ah, bonsoir, c'est pas là, c'est là. J'ai un peu de repérage. Oh, ici il y aura un bon affrontement après. 206. J'espère. Passez devant. Reçu. Putain. Prends l'ascenseur. Non. Ah, l'ascenseur. Ok. Est-ce que c'est joli? Ja, ich habe heiße Dokumente für Herrn Heinrich. Ist er da? Heinrich. Momentan in einer wichtigen Besprechung. Sie können gerne in seinem Büro warten. Er kommt nicht zurück.
Faut peut-être que je pense à trouver l'armurerie. Verzeihung, Herr Kommandant. Ich wollte nur etwas frische Luft schnappen. Ich bin Gerda Schneider. Ich komme aus Berlin, um Ihre Reisepapiere zu bringen. Fräulein Schneider? Ich habe von Ihrem Auslandsstudium gehört. Es war in Cambridge. Ja, das ist richtig. Wenn Sie mögen, kann ich Ihnen Ihre Reisepapiere zeigen. Dazu kommen wir noch. Vielen Dank. Danken Sie mir noch nicht. Fräulein Schneider. Now, if you will indulge me, perhaps we can converse later. For as you know, I'm sure this makes me... Bitte. Nehmen Sie doch Platz. Have a seat. So, Herr Gruber, sent you to arrange for my departure. I am flattered. Yes, Herr Gruber wanted you back in Berlin. Oh, oh, je me suis trompé. And I thought it was Herr Spiegel that sent you. Oh well, the only constant is change. All we can do is adapt. You look so serious. Let us drink. My return to the fatherland. The French deserve each other. But my God! Juste pour ça, je vais te tuer. Take the order. That tiny, delicate songbird. Its eyes poked out so that it can gorge. And then it's drowned in cognac. It's ingenious. I'm not sure what I will say. Savoring the sweet flesh, or watching it thrash to death. But there is one thing of which I want. Watching your son flay as he drowned under my boot every day. Il est bien déguisé ton bordel quand même, hein. Ça, c'est pour mon fils. Ça, c'est pour moi. Vive la résistance. Oh, tableau volé, ça. Ich würde sie mir schnell zum Gespräch ansehen. Schnapp den Spion! Was hat das zu bedeuten? Es wird Sprengstoff aus dem Munitionslager. Sie wurden zuletzt in der Nähe gesehen.
Geben Sie mir sofort Ihre Papiere. Ist das Blut an Ihrem Ärmel? Ich fürchte, das ist Tinte. Heute ist einer dieser Tage. Legen Sie Ihre Aktentasche zur Inspektion auf den Tisch. Ich komme zu spät zu seiner wichtigen Besprechung. Fräulein, Ihre Tasche! Sofort! Ah! Oh, mais lunette! Oh! Trois taches de sang par terre, tu trouves ça distrait, toi? Mets un coup de lavette! On a un problème. Ils sont tous en état. Ils ont capturé notre contact. Échange. Oui, j'ai les effets. Oui, camarade! Fracture des deux jambes. Puis merde. Vas-y, je vais me laisser tuer et je vais recommencer. J'avais oublié qu'il y avait deux gars là. J'avais oublié, ça arrive. J'ai raté un trésor, mais bon, c'est pas grave.
Faire attention au chien. Si je tire là. De jouer Daniels. Je crois que là j'ai raté un trésor, fais chier. On devrait y aller. Tire pas, on ne t'exposerait pas. Dans la peau. Allons-y les gars. Ils peuvent pas tenir plus longtemps sans nous. On ferme. Les Boches vont pas se laisser faire. Égalité, fraternité. Ah mais c'est une automatique. Puis tout à l'heure j'appuie coup par coup. Puis c'est celui mélange, c'est une automatique. J'étais pas au courant. Ah aïe aïe. J'arrête pas de mourir là, je comprends pas. J'ai le blâme, je sais pas que c'était une arme automatique. Si je l'aurais su avant, ça aurait été mieux. Ah oh, vas-y. Ah mais ça me focus, je peux rien faire. Je me prends toutes les balles, ça me focus moi. Je sais pas frère. Ça m'a toujours cassé les couilles avec Call of, frère. On est en tout, j'ai plein d'amis à côté de moi, donc focus moi.
pourquoi c'est moi qui me prends tout dans la gueule? C'est en fait si je parle pas je suis concentré. En fait il faut juste que je me concentre. Tout mis dans le dos. Sergent, donnez-moi leur position. Arrête-toi! Aïe. Aïe. Ah, il nous a fait mal, hein. Je focus. Hey,
Aïe! Il tente une percée pour que tu prennes tes molotovs! Oh, je le vois. Oh, je le vois plus. Ah. Non, un résistant. Non. Coucou. Oui. Normalement, je voulais récupérer une petite babiole ici, non? T'as, faudra, je recommencerai hors vidéo, je pense. Moi, je le ferai hors vidéo. Très bon travail, les gars. Très bon travail. On l'a fait. Les forces de De Gaulle entrent dans la ville. Ah, De Gaulle. Daniel, si tu penses qu'on va trouver une jolie jeune fille qui rêve d'un petit elle. Désolé l'ami, c'était seulement pour te motiver. C'est maintenant qu'il le dit. La ville lumière. Voilà une bonne raison de faire la fête, hein, Frolet. On peut plus reculer. C'est le. Je crois que c'était le plus gros feu d'artifice. De toute l'histoire de la France, le jour qu'on l'a eu à Paris pendant la guerre mondiale. À ce qui paraît, toute la nuit, c'est pour ça qu'on dit qu'à Paris, le ciel, on l'appelait à l'époque le ciel enflammé. C'est en cause de ça. Enfin, en cause, c'est bien, tu vois, mais voilà. Ah merde, on n'a pas entendu qu'est-ce qu'il a dit. Bon, tant pis. Oh, ça, j'aime pas ce parti-là.